Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo invocation sur Goku Migaté et Jiren. Ça y est, le portail est enfin disponible depuis ce matin 8h, au moment où je vous parle il est même pas 8h10 encore les gars. Les serveurs du jeu sont en complète PLS pour l'arrivée de Goku Migaté, Legendary Finish et de Jiren Topo et Dispo. On va aller invoquer 20 000 cristaux ensemble sur le portail qui est au format Step Up, comme vous pouvez le voir ici. Donc, qui dit Step Up, hein, globalement, dit portail avantageux avec des paliers. Et notamment, pour ceux qui ne savent pas, paliers, vous avez plus de chances d'obtenir les persos. Et en plus de ça, des tickets qui vous sont offerts pour avoir plus de chances, encore une fois, d'obtenir le perso vedette, notamment, donc Goku, Legendary Finish. Juste avant que la vidéo commence, les gars, comme d'hab, je compte sur vous pour laisser le pouce bleu. Abonnez-vous bien sûr, c'est pas encore fait. Bienvenue à vous, on a dépassé les 122 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à activer la cloche et à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez réussi à dropper. Les gars, je sais pas si c'est possible qu'on pète les 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, mais ça me ferait extrêmement plaisir. Donc je compte sur vous pour votre encouragement, pour votre soutien, comme d'habitude, inconditionnel j'ai envie de dire, parce que c'est la folie depuis tout ce temps où vous me soutenez et on a la chance de vivre cette célébration encore une fois ensemble sur Dragon Ball Legends, ce qui a fait un gros taf. Donc je veux vraiment vivre ça. Et essayer de faire step up la chaîne également. Donc merci à vous pour tous ceux qui vont laisser le pouce bleu. Vous m'aidez énormément. Je vous propose qu'on bavarde pas trop parce que j'ai grave envie d'aller invoquer. Franchement, j'en ai marre d'attendre les gars. Et la vidéo va être longue puisqu'ici on a 20 000 CC à mettre. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas de musique là actuellement du jeu. Mais il y a bel et bien le son du jeu. C'est juste que tout simplement pour des raisons de droit d'auteur, j'étais obligé d'enlever la musique. Puisque on a de toute façon vous le verrez de votre côté. Mais on a le générique de Dragon Ball Super. Lorsqu'on va dans les invocations, c'est super stylé. Mais du coup, ça a beau être super stylé pour YouTube, c'est pas super stylé pour les droits d'auteur les gars. Bon, le jeu est en complète PLS hein, donc on va avoir des connexions relativement longues entre les différentes invocations. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'invoquer, tout simplement beaucoup de gens qui sont en train de jouer au jeu. Donc bah les serveurs les gars tiennent pas. C'est la deuxième fois de l'histoire du jeu que ça arrive de mémoire que les serveurs sont autant en PLS. La première fois c'était pour Gohan et SSJ2LF, le premier Legendary Finish officiel du jeu, puisque finalement Beerus n'était pas un Legendary Finish officiel lorsqu'il est sorti. Et là pour Migaté Jiren, bon, vous avez vu c'est la complète PLS les gars. On espère que ça va aller pour les invocations parce que là actuellement c'est vrai que c'est un merdier fou. Si je vois que ça rame un peu trop etc les gars, je ferai des cuts hein, dans la session invocation, histoire de pas avoir des connexions non plus qui mettent beaucoup trop de temps. En tout cas j'aimerais bien au moins que la première multi-invocation apparte, ça serait bien. Mais même ça, pour l'instant, c'est pas fait, quoi. Ok, la première multi-invocation est lancée. Et en plus de ça, on a le glacier en animation pour la première invocation. Je vais faire un cut, les gars, je pense. Hein. Je vais attendre que les serveurs aillent un petit peu mieux après. Parce que là, ça va pas être possible, littéralement, pour la vidéo. Trois capsules, le glacier. Donc, on aura au minimum un extrême. Alors, je vous ai même pas montré détecteur, mais je vous ai pas montré, les gars. Mais je vais aller vous montrer après, vous inquiétez pas. Bien sûr, il y a Migaté dans le portail, vous en doutez. Il y a Jiren, sûrement l'extrême, hein, du coup, le Lucky Trunks. Il y a Topo et Dispo. Et il y a également un nouvel extrême qui est Freezer. Mais c'est un Freezer étonnamment de la saga Namek. Ils ont pas mis un Freezer. Ils ont pas mis un Freezer de Dragon Ball Super. Étonnamment, je trouve, honnêtement. Parce que bah, on aurait pu s'attendre quand même à un Freezer Dragon Ball Super vu le portail. Mais pas du tout. Oh là là, les connexions. Le jeu il est en PLS complète. C'est incroyable. Bon, Goku Migaté, Jiren, Topo, Dispo. Du coup, Vegeta élève, donc bien sûr d'avoir des doux. Alors, mais bon, bien entendu, l'objectif principal, c'est Goku Migaté, les gars. Jiren en seconde position. Topo et Dispo, il me les faut au moins une fois, mais on les aura au moins une fois, vous inquiétez pas pour ça. Vegeta Blue, pas spécialement envie de doublon. Beerus, je prends tous les doublons que j'aurai sur Beerus. Goku Namek, c'est pareil, je prends tous les doublons que j'aurai. Le Goku et le Vegeta Blue, c'est pareil, chaque doublon est bon à prendre. Ultimate Gohan, pareil, je prends les doublons. Et Kefla, je prends les doublons. Finalement, il y a Hit qui va pas tant que ça m'intéresser. Au niveau des doublons, il y a également un nouveau Freezer extrême comme support. Et ce Goku Migaté, ce Goku Migaté, les gars, il est incroyable. Et j'avais tellement envie d'invoquer, je vous ai même pas montré le détecteur. J'ai oublié, j'en perds mon travail de youtubeur, moi, les gars, sans déconner. J'en perds mon travail de youtubeur, finalement. Je redeviens un joueur comme vous, quoi. Un joueur classique, en l'occurrence, quoi, qui a juste envie d'aller se faire plaisir. On va essayer d'aller faire la deuxième multi-invocation, en espérant que ça se lance, cette fois-ci. Je fais toujours des petits... j'attends un petit peu entre les invocations. Ah, ça a l'air de partir assez vite. Ok, c'est bon, on est peut-être sorti de la phase du plus gros, entre guillemets. Hein. Forcément, les gars, ça allait être les 10-15 premières minutes où les gens allaient invoquer comme des fous. Et ceux qui vont pas dropper vont fermer le jeu instant. On va pas se mentir, on le sait.
Espérons que ça soit pas notre cas, qu'on fait pas le jeu instant à la fin de cette session invocation, ça serait terrible. En tout cas, encore une fois, Goku Super Saiyan, donc on aura au moins un extrême. Je sais pas s'il y a des nouvelles animations d'invocation, c'est ce qu'on va voir. Le seul extrême, c'est pas mal, d'ailleurs c'est extrême garantie en fait, là, cette multi-invocation. De 5 personnages, en l'occurrence pour celle-ci. Trunks du coup, Kula, et on n'aura pas notre premier Sparking ici. Par contre, on a un doublon de Pumpkin en extrême, c'est pas si mauvais que ça, c'est un extrême assez rare. Pour le coup, donc on prend. Il passe du coup 3 étoiles et les serveurs ça a l'air d'aller un petit peu mieux, donc je pense qu'on va pouvoir enchaîner là. Ce qui va être plutôt une bonne nouvelle. Deuxième ticket, on part sur la troisième multi, qui est la première multi-invocation du coup à 10 personnages qu'on va réaliser ici. Ça y est, ça a l'air de s'être décanté un petit peu. Les connexions sont un petit peu longues, mais on peut y aller les gars. La vidéo est vraiment lancée à partir de maintenant et peut-être qu'on va avoir notre premier Sparking ici. J'aimerais bien savoir s'il y a une nouvelle animation d'invocation ou pas, moi, surtout. Hein. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et si on a la chance de la voir, ça serait, bien entendu, un grand succès. Namek en feu, les gars. 3 capsules. Et je crois qu'on va toujours pas avoir notre premier Sparking ici, malheureusement. À moins qu'on ait un fake out, ce qui est possible. En soi, ça va faire 18 persos ici. Donc, ne pas avoir de Sparking, c'est pas trop grave. Mais ça serait bien que ça tombe à la prochaine multi, dans tous les cas. On aura au moins un extrême Rikoum, pas très intéressant, je l'ai déjà 14 étoiles. De toute façon, les gars, je veux m'y gâter, moi. Je veux m'y gâter, vous en doutez, c'est ça qui va nous intéresser, c'est m'y gâter. Tout le reste, forcément, vous allez m'entendre un petit peu râler. Mis à part Jiren, bien sûr. Jiren également, et puis les autres légendaires et finish, ça peut toujours être cool. Bon, on rentre dans le vif du sujet, parce que là, en vrai, c'était les premières multi-discount. Là, maintenant, on passe au vrai taf, avec les multi à 1000cc. Ici, c'est extrême garantie pour toute la multi. J'aimerais bien réussir à faire tomber le nouveau Freezer, bien entendu. Goku et SSJ Blue, les gars. Goku et SSJ Blue, Golden Freezer. Donc, on a minimum 2 Sparking dans cette multi-invocation. Minimum 2. On a l'avantage dans le combat. Ok. Ok, là, les gars, ça commence plutôt pas mal. Par contre, le glisser en or, il y a tout. Il y a tout dans la multi pour l'instant. Et on va gagner le combat, j'imagine. Ouais. Ok, ok. Ça sent bon, là. Je vais baisser un petit peu le son. Je pense qu'il est un peu fort, même pour vous. Ça sent bon, les gars, ici. Je rappelle que des extrêmes dans cette multi-invocation et des sparkings. Il n'y aura pas de héros. Le premier sparking de notre session d'invocation, c'est un Goku. C'est Goku et SSJ Blue. C'est pas le Goku qu'on voulait. Mais on prend des doublons sur ce Goku. Le portail est vraiment bien d'ailleurs, hein, parce que ce Goku SSJ Blue est encore très bon aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Le deuxième sparking, et Jiren, les gars, Jiren qui tombe déjà dès la quatrième multi-invocation. En vrai, j'ai envie de dire la deuxième vraie multi-invocation, hein, parce que les invocations d'avant, forcément, vu qu'il y a 3 et 5 persos, ça compte pas vraiment. La deuxième vraie multi-invocation. Le quatrième palier du step-up nous fait tomber l'un des deux nouveaux persos. Le premier Jiren que je pense je vais avoir avec beaucoup, beaucoup d'étoiles. Et il y en a un troisième. Et encore Jiren, les gars. Et il y en a un quatrième. Ok, là, en plus de ça. Oh, cette multi-invocation. Bon, bah, déjà, là, ça commence très bien. Quand ça commence comme ça, les gars... Oh, ça sent bon. Ça sent quand même plutôt bon, là. Déjà, double Jiren dans la première multi-invocation. Accompagné d'un Goku SSJ Blue et de Kefla. Donc ouais, la première vraie multi-invocation en termes de sparking qui est déjà complètement goldé, les potes. Ça fait extrêmement plaisir et bah écoutez, j'espère que ça va continuer comme ça en l'occurrence. Chichi qui passe même 6 étoiles pour la Cap Z, c'est intéressant. Et surtout, mais Jiren quoi, Jiren 3 étoiles, ça commence plutôt bien. Je vais aller m'empresser de voir cet artwork avec les effets parce que finalement, je ne l'ai pas encore vu l'artwork avec les effets. Donc on va voir ce que ça donne ce Jiren. Oi. Malheur ce qu'ils lui ont fait. Ce qu'ils ont fait. Oh lolo, c'est magnifique. Non, c'est splendide. C'est tout simplement splendide, les gars. Le Jiren, du coup, qui passe déjà 3 étoiles. Et là, on part sur la multi-invocation. Taux de drop x2 pour les nouveaux personnages. C'est très, très, très certainement les multi-invocations. Enfin, le palier sur lequel on peut en espérer le plus. J'ai envie de dire ce palier-là. Donc, bah écoutez, j'espère avoir de la chance, tout simplement. Bon, après, je viens de faire une multi assez incroyable, hein. 4 Sparking, dont 2 fois Jiren. Voilà, je pense que si je prends un petit retour de bâton, je pourrais pas trop me plaindre sur cette multi, parce qu'en fait, mon palier x2, je viens de le faire, quoi, en gros, on pourrait dire, hein. Bon, mon x2 sur les nouveaux persos. Du coup, de Jiren, les gars, ça commence plutôt bien. Dans tous les cas, le premier step, le premier cycle est déjà rentable, j'ai envie de dire. Là, par contre, on a eu que 3 capsules, donc je pense qu'on n'aura pas de Sparking. Match nul, en plus, derrière. Et on a eu un petit Tien EX, par contre, le Tenshinhan. Et je pense qu'on va avoir full héros. Derrière, encore un extrême. Rikoum, malheureusement. Pas le nouveau Freezer pour l'instant. Et pour le moment, Migaté se fait
désiré. Alors je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés récemment, beaucoup de gens qui me découvrent, sachez que c'est pas le premier Goku Legendary Finish du jeu. Si vous voulez, les Legendary Finish, c'est les personnages avec la plus haute rareté du jeu, c'est un peu les symboles du jeu, si vous voulez, les icônes. Et en l'occurrence, c'est pas le premier Goku. Il y en a déjà eu deux avant lui, et les deux Goku qu'il y a eu avant lui, mais j'ai toujours galéré à avoir les Goku Legendary Finish. Mais quand je vous dis galérer, c'est vraiment galérer. C'est plus de 50 000 cristaux pour les obtenir, ce qui est absolument colossal, les gars. Plus de 50 000 cristaux sur le jeu, sur un portail, ça représente vraiment une très grosse somme d'argent investi. Et généralement, sur les Goku Legendary Finish, j'ai jamais de chance. Donc on va voir si aujourd'hui ça va se briser ou si on va rester sur ce théorème, j'ai envie de dire, cette malédiction, on pourrait dire, hein, sur les Goku Legendary Finish. Pour l'instant, en tout cas, il est pas là, mais je me considère pas malchanceux. Même si en vrai, le cycle est pas incroyable en termes de nombre de sparking, mais le double Jiren, forcément, le double Jiren carry à mort. Et ça fait extrêmement plaisir parce qu'en vrai, on a eu 4 sparking, c'est tout. Hein. On a fait une multi avec 4 sparking et on n'a pas eu de sparking, les gars, après, hein, tout simplement. Donc bon, après, 4 sparking dans un cycle, c'est ok en termes de taux de drop. Mais ça serait bien d'en avoir au moins un petit 5ème ici. Un petit topo, un petit dispo, un petit Jiren. Encore une fois, pourquoi pas, et on aura un sparking, ouais. Oh! Oh les gars, ça en fait, pour ceux qui savent pas, c'est nouveau perso. Donc là par contre c'est quand même assez vague, parce qu'en soi t'as Topo, t'as Dispo, t'as Jiren, t'as Goku Migaté. Mais ça me donne une chance d'avoir Goku Migaté en fait, c'est surtout ça le truc. Nouveau personnage avec l'animation de Trunks que j'avais pas vu depuis des lustres, l'animation de Trunks. Allez. Donne-moi Migaté, mec. Oh, tu me fais Migaté dans le premier cycle. Tu me fais Migaté dans le premier cycle. Ça serait incroyable. La malédiction brisée, ça serait incroyable. Suspense. Et encore un Jiren. Bon, on se plaindra jamais d'avoir des Jiren, les gars. Bon, à moins qu'il ait 14 étoiles et que j'ai toujours pas de Migaté. Là, je commencerai à me plaindre à partir de là. Mais sinon, non, par contre, Jiren 4 étoiles en un seul cycle. Bah, forcément, c'est excellentissime. C'est, je pense, le mieux que je pouvais avoir hors Migaté, en fait, hein, tout simplement. Donc, forcément, c'est plutôt cool. On va enchaîner, les gars, on va enchaîner les cycles, parce qu'on a beaucoup à faire. Vous avez vu, c'est assez long, faire un seul cycle. Donc, on va enchaîner, on va se faire plaisir, on va parler en même temps. Et, bien sûr, on veut se Migaté, mais pour l'instant, sur les 4 types, oh, Kinto. Alors, Kinto, pour ceux qui savent pas, c'est le personnage du détecteur. Donc, ça peut être bon signe. Enfin, c'est bon signe, même, généralement, Kinto. Mais bon, ça peut être un sparking assez vieux, comme Kefla, par exemple, ou Hit aussi. C'est quelque chose de possible. Ok, on aura un sparking ici. Donc pour l'instant, c'est... niveau taux drop, je suis ok, genre. Je suis dans les taux. Je suis pas bien, je suis pas mal. Je suis dans les taux niveau taux drop. Ce qui est bien, c'est que j'ai eu beaucoup de Jiren. C'est ça qui est vraiment excellent. Mais Jiren, il va me falloir également des topos et des dispo pour vraiment le rentabiliser. Donc il va falloir que les topos... Oh, il est là au deuxième cycle, les frères. Et ça fait extrêmement plaisir. Le Migaté qui tombe. Oh, il est magnifique. Il est magnifique, les gars, le Goku Migaté qui tombe au deuxième cycle et la malédiction des Goku qui est brisée. Oh, ils sont darons. Oh, et la triplette, les gars, père et fils, et il y en a un quatrième. Oh, et ça s'arrête jamais, incroyable. Oh, cette multi-invocation. Oh là 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 là. Cette multi-invocation de dingue. Allez, incroyable, les gars. Cette chat ultime. Jiren qui est déjà 6 étoiles, du coup. Jiren qui est déjà 6 étoiles et 5000 cristaux. Et la mission est déjà remplie, les frères. 5000 cristaux, la mission est déjà remplie. Migaté, il est ici, les frérots. Mince. Attendez, je vais vous laisser son artwork comme ceci pour l'instant. Le frérot Migaté qui nous rejoint dans la box. Ah, il est magnifique. Je suis trop refait. Merci les gars, j'espère que vous allez dropper aussi. Je dis merci les gars parce que ces derniers temps, j'ai eu énormément de dons sur YouTube, sur Twitch pour invoquer. Donc franchement les frères, merci parce que c'est grâce à vous aussi. Et même si on a droppé le Migaté ici, on va se faire plaisir et on va finir les cristaux. Ah, j'en reviens pas. Migaté qui tombe, ça fait plaisir et il est magnifique, bordel les gars. Il est magnifique. Oh, la malédiction brisée. Oh, je vais vous faire des trucs avec ce Migaté. Pour ceux qui suivent les showcase PVP, le showcase de Migaté va arriver très vite sur la chaîne YouTube. Et je vais vous faire des trucs avec le perso. Oh, cette multi, Jiren 6 étoiles Migaté. Oh, j'en reviens pas, magnifique. Et père et fils, hein, Badak, Migaté, Gohan. Pff, tu voulais le faire, t'y arrivais pas, hein. Incroyable, les trois d'affilée en plus. Oh, j'en reviens pas.
Oh, je suis refait. Je suis refait, les gars. J'espère que vous allez dropper aussi, les gars. J'espère que vous allez dropper aussi, honnêtement. Je suis refait, je suis trop refait. Oh, je suis trop refait. Je sais plus quoi. Ah, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, les gars. On va mettre tous les cristaux. Hein. On met tout ce qu'on a sur le portail. Oh, je suis. Allez, on a encore du sparking. Bon, maintenant, les gars, la mission est accomplie. Il nous faut juste un topo, un dispo. Histoire de. Bon, ça serait bien d'en avoir plus, mais. Je vous ai dit, je vais mettre minimum 50 000 cristaux. Donc, il y aura des invocations en live. Oh, d'après extrême que j'avais pas. Goku Blue Doublon, on prend. Et mais écoutez, là, pour l'instant, c'est parfait, en fait. C'est parfait, en fait, pour l'instant. Du coup. Oh là là, les gars. Oh là 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 là, les gars. Oh, j'espère que vous allez dropper. Parce que je sais que sinon, il y en a, ils vont être dégoûtés. J'espère que vous allez dropper, les gars. J'espère que vous allez dropper. Tous ceux qui donnent de la force, j'espère que vous allez dropper. Tous ceux qui regardent, j'espère que vous allez dropper, les gars. J'espère, j'espère. Parce que je sais que dans ce genre de célébration, lorsque t'es le seul. Après, dites-vous que si vous dropez pas maintenant, il va y avoir énormément de cristaux offerts, les potes. Et que vous allez avoir la chance de dropper peut-être plus tard. Mais j'espère que vous allez dropper, vraiment. J'espère que vous allez vous mettre bien. Et moi, je vais tout faire pour essayer de vous divertir un maximum avec les showcases qui vont arriver et de vous faire des belles choses. Oh, Migaté, bordel, il est tombé, les gars. Ah, oh, je suis refait. Migaté qui est tombé. Et Kinto, il est tombé sur un Kinto, Migaté, si je dis pas de bêtises. Hein. Il est tombé sur un Kinto avec cette multi 4 Sparking. Et pour l'instant, j'ai une chance incroyable dans ces invocations avec Jiren 6 étoiles. Migaté déjà tombé. Un taux de Sparking un peu plus que correct, hein, maintenant que j'ai eu 4 Sparking, encore une fois, une multi. Oh, Whis. 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 Whis, les amis, invocation de avec animation Whis, ça veut dire minimum 2 Sparking, en fait, pour ceux qui ne savent pas, puisqu'on va se transformer en SSJ Blue, tout simplement. Donc, 2 Sparking ici. Oh là là, on est en train de tout détruire. On est en train de tout détruire. Allez, donne Topo et Dispo, s'il te plaît, mon frérot, là, Topo et Dispo, comme ça, on est vraiment bien. Le premier Sparking est ici. Topo qui tombe. C'est parti, les gars, Topo qui tombe. Let's go, ça y est, la mission, elle est quasiment remplie. Doublon Topo, on prend, bien sûr, il nous le faut, hein, si on peut l'avoir 6 étoiles, Topo, c'est mieux. C'est pareil pour Dispo, si on peut les avoir 6 étoiles, c'est mieux, mais surtout Topo, parce que Topo, il est bleu, en fait, Dispo, à la rigueur, j'ai Bergamo. Oh là 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 là. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop, non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, non, là, par contre, c'est trop. Là, par contre, c'est beaucoup trop. Là, par contre, non, là, j'avoue, le... Franchement, un gros, gros merci à ma femme qui a fait cette échelle. Parce que depuis qu'il y a cette échelle avec des plantes dans ce nouvel appartement, c'est l'échelle de la luck, les gars. L'échelle de la luck qui frappe encore une fois. Mais regardez-moi les multis que je suis en train de faire. Regardez-moi les multis que je suis en train de faire. Trois topos dans la même multi. Donc là, c'est-à-dire qu'on n'a même pas fait, on n'a même pas fini deux cycles encore. Hein. On a eu tous les persos déjà. On a eu Migaté, on a eu Jiren, on a eu Topo, on a eu Dispo. On a Jiren 6 étoiles, Topo 4 étoiles, Dispo 2 étoiles déjà. Mais c'est la folie. Et j'arrive pas à proquer l'animation de Topo. Et ni de Dispo d'ailleurs. Ils ont pas d'animation quoi. Ah si, ok. Dispo, fallait faire ça. Et j'imagine que Topo, c'est la même chose. Oh là là, je suis tellement refait. Ouais, c'est la même chose. Bon, par contre, niveau animation, c'est pas les plus belles, mais ils ont des beaux artworks. Et ça, ça fait plaisir. Bon ben voilà, en vrai la mission est accomplie les gars. La mission là elle est déjà accomplie et c'est ouf de se dire que par contre j'ai autant chat que ça là. Là ouais c'est vraiment ouf. Ce qui serait bien maintenant c'est de faire tomber des doublons de Topo et Dispo pour les 6 étoiles. Des doublons de Jiren bien sûr. Pour bon ça on peut... Oh là 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 là. Oh là là mais qu'est-ce qui se passe? Normalement je suis pas censé avoir de sparking sur ça là, une capsule. Doublon de Vegeta Blue c'est excellent, donc oui je disais... En fait, des doublons de tout le monde, en fait. Des doublons de tout le monde pour l'instant, parce que Jiren, bien sûr, c'est pas forcément le mieux de s'arrêter à 6 étoiles. Hein, si on peut le monter le plus haut possible, jusqu'à 9 étoiles, voire plus même, c'est excellentissime pour nous. Topo et Dispo, ça serait bien de les avoir 6 étoiles, et ça serait bien d'avoir au moins un Migaté de plus pour l'avoir 3 étoiles. Alors après, Migaté, je pense que, voilà, on va pas demander un doublon. Hein, déjà, il s'est pointé en très peu de cristaux. Je suis refait. Oh là là là, je suis tellement content, les gars. Je suis tellement content. Et en même temps, là, maintenant, j'espère tellement que vous allez dropper et que tous mes potes qui jouent au jeu vont dropper aussi. C'est toujours pareil. Avec ce genre de truc, quand toi, tu chattes, t'espères que les autres vont chatter aussi. Et mais ça a l'air de continuer, en plus, là. C'est quoi ce cycle de barjo que je suis en train de faire? J'ai fait un cycle à... 10 parking? Je crois que c'est ça, hein. Je crois que je viens de faire un cycle à 10 parking. Oh non, pas encore Whis. Ah, Vegeta cette fois-ci. Bon, ils sont pas en SSJ Blue, ils sont en SSJ classique. Mais on a encore un Sparking du coup, les gars. Minimum 1. D'ailleurs, ça peut être plus. Hein. Ça peut être plus. Je crois qu'on a fait un cycle à 10 Sparking du coup là. Avec d'ailleurs, avec l'espace là. Donc, ça peut être pas mal tout ça. Ça peut être pas mal. 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 Et voilà, déjà Topo 6 étoiles aussi.
Oh non, c'est incroyable. Par contre, je suis complètement... Non, je suis boosté, là. C'est sûr, je suis boosté. Comment... Ah, la petite alarme. On va aller désactiver ça. C'est sûr que je suis boosté, les gars, là. Je comprends pas comment c'est possible autrement. Il y en a même un deuxième. Oh, il y a encore un Goku et CG Blue. Je crois qu'on est à 11 Sparking dans le cycle. Mais c'est honteux, là. C'est complètement honteux, en fait. C'est complètement honteux, ce qui est en train de se passer dans cette vidéo. C'est honteux, ce qui est en train de se passer dans cette vidéo. C'est impossible, en fait. Oh là là, topo 6 étoiles déjà. Bon, j'ai bien fait de pas invoquer sur Basile, moi. J'ai bien fait de pas chercher des Basiles parce que voilà, on a déjà topo. Basile, il en prend une à chaque vidéo. Hein. C'est n'importe quoi. Mais du coup, topo pour le coup, il est bleu. Donc Basile perd tout son intérêt en univers rival hein, avec topo qui est bleu, clairement. Donc voilà, c'est plus ou moins cool. Hein. Elle est gratuite pour Basile, ça fait toujours plaisir. Ah, le jeu de retour en PLS. Le jeu de retour en PLS, peut-être. Non, c'est bon. On peut enchaîner. Je vois que j'ai pas mal de chance, quand même. Hein, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que... Bah, en fait, ils avaient des retours au menu, carrément, en fait. Non, mais faut que ça s'arrête, au bout d'un moment. Enfin, non, faut pas que ça s'arrête, mais faut en laisser aux autres, quoi. Au bout d'un moment, faut en laisser aux autres, aussi. Hein. Là, je sais pas, je vois 5 capsules. Bon, après, il y a pas d'un mec en feu, il y a pas de Super Saiyan. Elle est peut-être pas si bien que ça, celle-ci, finalement, malgré les 5 capsules. Ouais, match nul. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles animations, hein, du coup, je pense qu'on les aurait vues. Alors, à moins que ça soit une animation élève garantie, auquel cas, bon, bah forcément, c'est une animation un peu dure à tomber, quoi, ce qui est possible. Il nous manque que Freezer Extrême, hein, c'est tout, dans les persos qui ont été ajoutés. Il nous manque que Freezer Extrême, les gars. Ah, j'en reviens pas de ce qui s'est passé dans cette vidéo, j'en reviens pas, bordel. Multi sans parking, c'est pour moi, je régale. Je régale. Oh, je peux en faire 2-3 des multi sans parking que ça me dérangerait pas, je crois, là. Jiren 6 étoiles, Topo 6 étoiles, Migaté. Non, je peux ralasse un petit peu. Surtout quand tu vois la qualité de ce qui a été fait sur cette célébration pour l'instant. Oh, ça me dérange pas de donner un petit peu de ma personne, c'est bon. J'ai tellement l'habitude de souffrir sur les Goku LF, je suis... Oh là là, je suis refait. Je suis refait et il nous reste beaucoup de cristaux encore, les gars. Hein. On n'est même pas à la moitié. Il nous reste beaucoup, beaucoup de cristaux. Et bah sachez, hein, je vous le dis direct, hein, il y aura très certainement des invocations... En plus, en live dans la soirée. Donc, ouais, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir, les gars. Là, c'est extrême garantie, ce palier-là, je rappelle. Je pense qu'on n'a pas de... Ouais, on n'aura pas d'animation sparking, à moins que le Ryuken sorte. Mais non, pas d'animation sparking. À mon avis, on va rester sur de l'extrême ici. Hein. Bon, je l'ai dit, j'en offre 2-3, hein, des multi sans sparking. Je rends la luck un petit peu, ça me dérange pas. J'espère que s'il y en a qui invoquent en même temps que vous voyez cette vidéo, quand je fais des multi sans rien, c'est vous qui dropez à la place. Je l'espère sincèrement parce que moi c'est bon, j'ai eu mon... En fait j'ai eu mon cycle. Hein. Enfin même les deux cycles étaient incroyables mais le cycle d'avant c'est du jamais vu je crois. C'est du jamais vu, c'est assez incroyable. Et ça fait bien bien plaisir. Et Yamcha qui va bientôt approcher de la 9ème étoile, c'est Yamcha EX qui est excellentissime. Donc on se plaint pas d'avoir des doublons sur le Yamcha EX clairement. Allez, le chargement est lancé. Et ça sera du 3 capsules pour le palier nouveau perso x2. Pas de Super Saiyan. On a l'avantage dans le combat quand même. Ça sent pas mauvais du tout là. Ça sent pas mauvais du tout les gars. Glisser rouge. Et malheureusement il est pas stun. Mais on va... Non, on va match nul. Aïe. C'est pas bon ça en fait. C'est pas bon. On avait l'avantage donc je me disais que ça sentait bon. Mais finalement pas tellement. Il va nous falloir un fake out ici si on veut chatter. Après ça peut être également le nouveau extrême hein. C'est possible parce qu'on va avoir un extrême ici bien sûr. Ça sera Lee Shenron. Pas le nouveau malheureusement. Pas le Frieza qui pour l'instant veut pas tomber. On aurait eu le Migaté avant d'avoir le Freezer extrême, hein, quand même. Putain, je suis Migaté. J'en reviens toujours pas, les gars. Je suis désolé, je sais que ça doit être chiant en force, mais je suis juste tellement content. Je suis juste tellement, tellement content, en vrai. Lee Shenron qui passe 4 étoiles là-dessus. Et des tickets, on va en avoir des tickets à faire. Hein. C'est potentiellement la plus grosse... Oh là là. Et c'est J Blue Shenron. Et c'est J Blue Shenron. Donc on a minimum 2 sparking là-dedans. Grand minimum de sparking, je sais pas pourquoi je sens la multi de dingue encore là. Vous la sentez les gars vous aussi ou pas? La multi de grand Barjo là. Parce que moi je la sens venir la multi de Barjo là en fait. Je la sens venir la multi de Barjo encore une fois. Ce genre d'animation généralement quand t'as le Shenron plus le SSJ Blue. Le premier sparking est là. Vegeta Blue c'est bien. Bon après bon de toute façon en même temps voilà il n'y a pas beaucoup de sparking qui vont pas m'intéresser. Bien sûr il y a du hors détecteur hein, les gars. Il y a du hors détecteur qui est possible de tomber. Alors Vegeta Blue c'était très bien et Topo ça me va aussi, ça me va aussi, ouais très bonne multi-invocation, bon pas aussi brillante que ce qu'on a fait avant tellement on a fait des multis de dingue, mais Topo qui passe déjà 7 étoiles, Jiren qui veut plus se montrer, hein. Jiren il a fait je passe 6, je reviens plus tard, il va revenir les gars, vous inquiétez pas on va voir d'autres Jiren, j'en suis sûr, je vais mettre tellement de cristaux encore, c'est sûr et certain qu'on aura d'autres Jiren. Mais honnêtement, bon d'ailleurs vraiment encore une fois, hein, grosse dédicace, mais vraiment grosse dédicace
à tous ceux qui ont soutenu la chaîne récemment en live. Et vous allez me mettre bien, les gars, parce que là, c'est pas fini encore. Quinto, Glacier, et croyez-moi, je vais vous le rendre en live. On va se faire un gros live invocation. On va se faire un gros, gros, très gros live invocation, les gars. Vous inquiétez pas, ça va être la folie. On a l'avantage. Quinto, ça sent très bon, là, encore. Ça sent très, très bon, encore. Perso détecteur, hein, forcément, les gars. Quinto, je rappelle. En plus de ça, il y a le Glacier, ici. Donc, honnêtement, ça sent très, très bon. Je rappelle, le premier Migaté était tombé sur un Quinto. Vegito Blue était tombé sur un Glacier Quinto. Je m'en rappelle, mon premier Vegito Blue. Donc, ouais, pourquoi pas encore un petit Migaté, ici. Après, je rappelle, il n'y a pas que lui en élève dans le portail. Il y a Beerus qui mérite très bien, également. Vegeta Blue, ça me va aussi. Vegeta Blue, si je peux le faire passer 9 étoiles, ça serait excellent avec les invocations. Je crois qu'il doit être 8, là. Ou 7, pas loin de passer 8 avec celle-ci. Donc, pour l'instant, vraiment, je suis en train de me mettre bien parce que j'ai pas de hors détecteur, quasiment. C'est ça. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai eu un seul hors détecteur, en fait, depuis le début. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, je suis quand même ultra bien. Même si ce step-là était quand même vachement moins bien que ce qu'on a fait avant, en même temps, c'est normal. Au bout d'un moment, forcément. Vegeta qui passe 8 étoiles. Si je peux le faire passer 9 étoiles avant la fin des invocations, ça serait absolument magnifique. C'est l'un des meilleurs persos du jeu, les gars, ce Vegeta. Aujourd'hui encore, en tout cas, hors Zenkai, très clairement. Donc, si vous l'avez lors de vos invocations, vous pouvez être, bien entendu, ravi de le faire tomber. Mais il faudra essayer de l'avoir, si possible, jusqu'à 6 étoiles pour réellement en profiter. C'est là que le personnage prendra toute son ampleur. Après, bon, il y a 9 étoiles pour les Wilds, mais ça, c'est un petit peu plus tard, quand même. Bon, est-ce qu'elle va se lancer, cette invocation, ou est-ce que le nouveau palier va galérer? Non, ça part. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit Jiren, là. J'aimerais bien revoir son crâne luisant. Son petit crâne luisant, là, au Jiren, j'aimerais bien qu'il revienne un petit peu. Le faire tomber en doublon, ça serait plutôt pas mal pour nous. Et Super Saiyan en a l'avantage, ça sent bon encore une fois pour ce nouveau cycle. Bon, pour l'instant, ça a fait premier cycle très bon, deuxième cycle excellentissime, troisième cycle moyen, on va dire, le troisième cycle en vrai, même s'il était pas mauvais, hein, clairement, mais il était... Non, il était bon, on va dire, il était bon plutôt que moyen. Et là, on part sur le quatrième cycle avec une animation match nul. Donc, peut-être pas de Sparking ici, malheureusement, mais on a beaucoup d'extrêmes. Et toujours pas le Freezer, alors que le sel, lui, est tombé deux fois ici. Je pense qu'on n'aura pas de Sparking ici. Mais bon, on a eu de très bons extrêmes pour le moment. Et on a un Freezer, mais c'est pas le bon. En extrême, ouais. Ok, le cycle qui commencera sans Sparking. Par contre, celle qui passe 6 étoiles pour la Cap Z, c'est plutôt pas mal. Je crois que c'est du 26% pour les futurs. Bon, mais j'ai même pas regardé, mais c'est ça. C'est 26% double def, il me semble, pour les futurs. Et la multi-extrême garantie. Il nous reste 8000 cristaux, les gars. 8000 cristaux. Est-ce que on va avoir la chance de revoir le magnifique, splendide artwork de Goku Migaté? Mais en fait, j'ai plus aucune pression, là. J'ai plus aucune pression. Là, les gars, c'est moi, j'ai atteint l'ultra instinct, en fait. Je me suis éveillé à l'ultra instinct lors de mes invocations, littéralement. C'est ce qui s'est passé. Et là, encore une fois, on a un Quinto. Je rappelle, c'est extrême, cette multi. Mais Quinto, glissé rouge. Et on a un Sparking. Donc un Sparking featuré, encore une fois, très sans doute, hein, ça peut être Freezer EX le featuré, mais je pense plutôt qu'on va avoir un Sparking featuré. Donc peut-être un exploit encore, peut-être un petit Jiren. Un dispo, ça serait bien, hein, ça serait bien d'avoir des doublons de dispo, bien entendu. Oh, bah c'est le Freezer extrême, parfait, bah ça y est, tous les personnages sont tombés, les gars. Tous les personnages sont tombés, bah doublon de Whis, c'est magnifique, doublon de Whis, c'est absolument magnifique. Et le Sparking, et encore un Goku SSJ Blue, bah ça me va, hein, complètement. C'est pareil, Goku SSJ Blue, si je peux le faire passer 9 étoiles, c'est plutôt pas mal, même si je préfère le Vegeta à choisir entre les deux SSJ Blue pour le coup. Ok, le Freezer extrême qui tombe, bah comme ça, tous les personnages, absolument tous les personnages ajoutés au jeu sont tombés dans cette session invocation. Et ce Freezer, elle est magnifique. L'artwork du Freezer, là, c'est du grand délire aussi, hein. Ce qu'ils ont fait, c'est absolument splendide. Nouveau perso, chance x2. Il nous a... Je crois pas qu'il nous ait tant ralasse que ça pour l'instant, ce nouveau perso chance x2. Je crois que c'était dans les autres paliers qu'on a eu beaucoup de chance. Un moment, ça va tomber. Un moment, ça va tomber dans ce palier-là, c'est obligatoire. Ça finit toujours par tomber lorsque tu mets beaucoup, beaucoup de cristaux. C'est... Voilà. Tôt ou tard, ça finit par tomber. Quinto, Namek en feu. Donc là, on sait qu'on a du Sparking featuré. Enfin, non, on n'est pas sûr. Ça... Bon, ben, allez, Badak. Donc, nouveau Sparking, les gars. On a eu Trunks, on a eu Badak. Il manque quoi comme animation? On les a toutes faites. Ah non! Il manque Vegito Blue. Il manque Vegito Blue en animation, bien sûr, avec Broly. C'est la seule animation qui me manque, les gars. Mais là, on a un nouveau personnage featuré. Donc, peut-être Migaté, Topo, Dispo, Jiren. On va voir ça dans un instant. La seule animation qui confirme Migaté, les gars, c'est si vous avez Broly
Et Végéto, un doublon de Topo encore une fois. Bon bah Topo qui tombe beaucoup plus que dispo chez moi. Ça me va en vrai, hein. ça me va. Topo est excellentissime les gars d'ailleurs. Il y aura beaucoup de vidéos showcase sur la chaîne. Et dans les vidéos showcase des persos à chaque fois, il y aura l'analyse en début de vidéo. Topo qui s'en va vers sa 8ème étoile. Tout simplement. Et il nous reste... Mais attends, mais elle va durer combien de temps cette vidéo invocation en fait? Combien de temps va durer cette vidéo invocation? Longtemps en tout cas, puisque là je vois qu'on est déjà à 30 minutes. Bon après j'ai quelques cuts à faire. Mais ouais, ça va durer longtemps clairement. Ça va durer très longtemps, mais j'espère que ça vous fait plaisir de voir cette grosse session en vocation. En même temps, avoir autant de chance sur aussi longtemps en termes d'invocation. Bon, après, ça dure longtemps parce qu'il y a des connexions également assez longues. Mais c'est vrai que là, je suis en train de faire une grosse session en vocation et ça fait plaisir pour ce genre de portail. Et ça continue ici peut-être avec 5 capsules Namek en feu, Super Saiyan. Et ça continue avec Badak qui arrive. C'est incroyable, je comprends pas. Je comprends pas, tous les badaks que j'ai pas eu cette année et tous les trunks que j'ai pas eu cette année, ils sont ici en fait. En animation. Bon, c'est surtout des badaks hein, pour l'instant qui tombent. On a eu un trunk si je dis pas de bêtises, donc encore un sparking featuré ici les gars. J'aimerais quand même bien avoir un doublon de Migaté, mais en même temps je me dis que c'est peut-être trop demandé quoi. D'avoir un doublon de Migaté, on va voir ça dans un petit instant. Avec ce sparking qui se fait attendre, qui est ici. Et un doublon de Jiren, let's go les gars. Doublon de Jiren, on prend avec grand plaisir, bien entendu, le doublon de Jiren qui passe à 7 étoiles. Et, je veux pas dire, hein, mais on n'est pas encore à 20 000 cristaux. Jiren, 7 étoiles. Topo, 7 étoiles. Dispo, 2 étoiles. Freezer EX, Migaté. Je crois que c'est l'une de mes plus belles sessions en vocation sur un step-up, les gars. C'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. En fait, la dernière fois que j'avais autant de chance sur un step-up, je pense que c'était pour Kefla. Et Gotenks. Et il n'y avait pas de LF en fait pour Kefla et Gotenks. Et encore une fois, 5 capsules Super Saiyan. C'est la multi gratuite ici. Glissé bleu malheureusement. Ah, je sais pas si on va avoir quelque chose là-dessus. Hein. Malgré le Super Saiyan, je suis pas sûr. Il va peut-être falloir un fake out pour avoir un sparking là-dessus. On aura un Krillin extrême en tout cas. On aura également 10. Krillin héros. C19. Frost, et je crois qu'on n'aura pas de sparking ici, les gars. Ça m'étonnerait à moins qu'on ait un fake out vers la fin. Mais ça sent pas forcément très bon. Ouais, non. Ça sera sans sparking. Bon, on va pas se plaindre. Hein. On a eu un doublon de Jiren. Cycle un peu moins bon, quand même, non, je pense. On a eu un Jiren, un Topo. Bon, ça reste très bien parce qu'en fait, je tape les bons persos. C'est ça qui est bien. C'est que je tape les bons persos. Mais en termes de sparking. Bon, en même temps, t'as vu, quand tu fais des multi à 4 sparking, dont Badak, Goku Migaté, Ultimate Gohan, Jiren, forcément, après, tout paraît fade. On va pas se mentir. On va pas se mentir, après ce genre de multi, tout paraît un peu plus fade. Mais on a un dernier cycle. Au moins un dernier cycle à faire encore, là. Et j'y crois, là, notamment avec ce 5 capsules. Allez, fais-moi tomber un Migaté en plus, là. Fais-moi tomber un Migaté en plus. Ça serait absolument parfait, glisser rouge, pas de transformation. On veut voir apparaître ce Végéto en animation. Ça par contre, ça peut sentir bon. Alors moi, je peux pas savoir s'il y a Végéta qui va arriver parce que j'ai pas les musiques d'activer du coup. Donc je peux pas savoir ça. Oh, Ribrian EX, let's go. Kula. Et je pense qu'on aura pas de sparking hein, vu qu'on n'a pas eu de Végéta qui a pop ou de Whis. Ça sent pas bon pour celle-ci. Ouais. Bon, on espère qu'on va avoir plus de chance sur la suite du cycle. Là, j'ai fait, je crois, fin du cycle, j'ai pas eu de sparking. Début du cycle, pas de sparking. On espère avoir un petit peu plus de chance sur ce qui va arriver un petit peu après, tout simplement. Pour l'instant, on a eu un seul légendaire et finish, hein, par contre. Un seul légendaire et finish, j'ai eu de la chance que ça soit le bon, en fait. Hein, parce que c'est quand même pas des masses, un seul légendaire et finish dans tous les cristaux qu'on a mis ici. Mais bon, vu que c'est le bon, finalement, c'est pas si grave que ça. Multi extrême, après multi x2, je rappelle les gars, et ça sera notre dernier cycle ici, hein, parce qu'après on n'aura pas de quoi refaire un cycle. Mais on ira faire les tickets, bien sûr, pour conclure cette vidéo. Oh là là, Kinto. Les tickets, Super Saiyan, les tickets qui sont là où on a le plus de chance, selon moi en tout cas, de dropper des LF. Et clairement, en fait, hein, c'est le cas avec du 5%, notamment pour Migaté. Glisser en or, donc on aura un sparking sur le Kinto, donc c'est pas forcément le Freezer extrême qui est featuré ici. On va gagner le combat. Et on peut avoir plus d'un sparking, hein, comme d'hab aussi, c'est possible. Et encore un doublon, mais c'est incroyable tous ces topos. Topo 8 étoiles. Hein. Et on en a un deuxième même. Oh, le deuxième élève de la session invocation Vegeta Blue. Bon, c'est sûrement le élève que je voulais le moins, mais on se plaindra pas d'avoir un Vegeta Blue, bien entendu. Et on a même un troisième sparking. Un autre Vegeta Blue qui passe 8 étoiles, 9 étoiles. Non, il passe 9, je crois, là. Je crois qu'il passe 9. Voilà, c'est le retour des grosses multi-invocations, là. Topo 8 étoiles,
Topo 8 étoiles, les gars. Topo 8 fucking étoiles. Vegeta Blue LF 7 étoiles. Et en plus de ça, bah, Vegeta Blue LF qui sera prêt pour son Zenkai lorsqu'il aura un Zenkai. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et un doublon de Vegeta Blue qui est à 1. Ah non, il est pas à 1, pardon. Il est à 91 pour RZ de passer 9 étoiles. Du coup, on le fera sûrement passer 9 étoiles avec toutes les invocations qu'on va faire encore. Je m'inquiète pas trop. Perso x2, donc là ça y est, le retour d'une très grosse multi-invocation. En plus de ça, on a fait tomber notre deuxième élève, donc je pense pas qu'on aura la chance d'avoir un autre élève dans l'invocation avec les cristaux. Par contre, avec les tickets, c'est possible. Là, deux élèves, c'est bien, avec le nombre de CC qu'on a mis. Trois capsules ici, pas de coup porté, malheureusement. Glissé bleu, pas de Super Saiyan, on va skip cette animation. Je pense pas que, malheureusement... On va avoir un Sparking là-dessus. Shizami qui tombe. Shizami qui tombe, qui apporte généralement la luck, Shizami, non? Ça lui arrive. Ou la poisse peut-être plutôt, je pense, pour Shizami. Rikum extrême. Et malheureusement, les gars, je crois qu'on n'aura pas de Sparking sur palier x2. Il nous a mis bien tout à l'heure le palier x2 sur les nouveaux persos. Je crois qu'on a eu un doublon de topo, si je dis pas de bêtises, et un Vegeta Blue. Là, cette fois-ci, il nous donnera rien. Une multi, les gars, puis une multi gratuite. Puis on va faire les tickets. Puis après, bah, façon, on va se donner rendez-vous ce soir. Hein, parce que ce soir, en live, on va repartir au charbon, comme on dit. On va repartir au charbon ce soir en live. Je pense que ça sera vers 20h, à mon avis, histoire que les gens aient le temps de se poser, de rentrer tranquillement. Je pense qu'on ira en live vers 7h-ci, peut-être un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard. On verra bien. Mais en tout cas, je suis pressé d'y être. Ça peut être 18h aussi, c'est pas impossible. Trois capsules ici. Pas de Super Saiyan. Je vais la skip complet, celle-ci. Toute animation confondue, voilà. Que des extrêmes. Malheureusement, en plus de ça, c'est pas forcément les meilleurs, malgré le sel. La multi gratuite, bon, ça a démarré en feu, les gars, ça a démarré en folie. Et c'est vrai que là, sur les drops, ça s'est bien calmé quand même. Ça s'est bien calmé, mais globalement, je reste quand même très 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 chanceux pour ce que j'ai eu dans les invocations. Surtout avec ce démarrage de dingue, en fait. Hein. Ce démarrage de dingue, forcément, qui t'enlève de tout stress qu'il y a à avoir derrière. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt cool, pour le coup. Ça évite de ramer un petit peu au niveau de ton esprit et d'être de mauvaise humeur dans la suite de la vidéo. Ok, 5 capsules, on peut peut-être finir, voilà, avec un Sparking au minimum. Vegeta qui apparaît pour mettre une grosse pastèque, et même une double pastèque, et un Bing Bang Attack à Freezer. Donc on a au minimum un Sparking ici, les gars. Sur quoi on va finir avec les invocations cristaux avant de passer au ticket? Ah, franchement, tu me fais tomber un petit légendaire finish en plus, ça serait vraiment parfait. 3 LF en 20 000 cristaux, même pas 20 000 en vrai. Ça sera un Goku SSJ Blue qui passera 9 étoiles, donc bien entendu, on va pas se plaindre. On va prendre avec grand plaisir même. On a peut-être un deuxième, hein. On a eu beaucoup de Goku SSJ Blue, d'ailleurs, hein, beaucoup de Goku et de Vegeta. Je suis content parce que j'ai pas eu un seul hit, en vrai, donc ça, c'est vraiment très bien. Yeki, que j'ai pas eu beaucoup du portail Ultimate Gohan, que j'ai pas eu énormément, et Dispo, en fait, tout simplement aussi, hein, que j'ai pas eu énormément. Ok, les gars, donc pour les cristaux, c'est terminé. Je pense qu'on doit avoir 4 tickets ou 5 tickets à faire. Si je dis pas de bêtises. Donc on va quand même se faire plaisir également avec les tickets. Je rappelle, sur les tickets, c'est là que vous avez le plus de chances de dropper du Legendary Finish. Et notamment, bah, le nouveau Legendary Finish, à savoir ici, Goku Migate. On a 5 tickets à faire. 5 tickets, donc 5 Sparking, puisque vous pouvez avoir que des Sparking sur les tickets. Et c'est le moment de peut-être faire tomber un doublon de Migate. C'est doublon de Goku Namek aussi qui sera intéressant, puisque je pense que j'aurai un limit break en termes d'étoiles rouges. Mais bien sûr, ce qu'on veut, c'est doublon Migate. Hein. Ah, doublon Migate, c'est ça qu'on veut, bien entendu. Clairement. Et on a 5 tickets pour essayer de réaliser l'exploit avec une première animation qui commence pas super bien, malheureusement. Et la vidéo invocation va durer 40 minutes. Pas de badak. Enfin, je dis pas super bien. On sait qu'on a du Sparking, mais ce qu'on veut, c'est du badak, du Trunks. Potentiellement du Vegeta Blue. Hein. C'est ça qu'on veut, tout simplement. Et ouais, cette vidéo va durer 40 fucking minutes. 40 minutes d'invocation. Ça sera un fake out en plus de ça pour cette single, et voilà le premier Sparking un peu d'obesque de la série d'invocation finalement. Caulifla qui tombe, Caulifla SSJ2. Bon, il fallait bien au bout d'un moment avoir un peu de hors détecteur aussi. Hein. Puisque là pour l'instant, bon voilà, ça, c'est vrai que ça se mettait plutôt bien au niveau du détecteur. Donc je savais que ça allait tomber tôt ou tard. Et ça va peut-être tomber sur les tickets en l'occurrence. C'est pas impossible, c'est ce qu'on va voir, il nous en reste 4 à faire ici. Après moi, Caulifla, bon voilà. C'est dommage, c'était pas Kefla, parce que si tu fais tomber Kefla, tu fais tomber Migate normalement après, ça, c'est la suite logique, j'ai envie de dire. Glissé rouge. Ok, juste il est stun, j'aimerais tellement avoir Vegeta Blue en dernière animation. Ça serait l'apothéose. Hit, voilà, bon, je pense qu'au bout d'un moment, faut que ça tourne, les gars, faut que ça tourne. Et je pense qu'on y est, là, dans le...
dans le virage, dans le revers de la médaille, avec les sparkings un peu moins bons qui tombent ici, même si hit, ça reste quand même très correct, bien entendu, mais quand t'as une célébration comme ça, c'est pas du hit que tu veux. J'aimerais bien avoir du dispo un peu, moi, là. J'aimerais bien avoir du dispo pour le jouer avec Jiren. Mais encore une fois, vu que j'ai déjà un gros Bergamo, c'est pas si important que ça. Oh, le petit bug ici, là, pour la fin des tickets. J'ai peur d'être back menu, en fait, vu que j'ai vu que c'était des choses qui arrivaient. Après, je suis back menu, il faut se reconnecter, ça va prendre 8 ans avec le serveur en PLS. Donc, j'espère ici pouvoir enchaîner directement sur cette sur ce ticket, sur cette single ticket, sparking garantie. Allez, là, la single, en plus de ça, là, pour le coup, elles sont bon, 5 capsules, le glacier, Super Saiyan. Putain, Badak qui apparaît pas là. Je pensais que Badak allait apparaître là, honnêtement. Ça sentait bon pour le Badak. Le glisser en or, il y a tout par contre là. Il y a tout, mais bon. Oh, Vegeta ? Ouais. Vegeta qui nous vient en aide. Bon, malheureusement, ça garantit rien de spécial, hein, les gars. Ça peut être du hors détecteur. Peut-être que quand c'est les SSJ Blue, ça garantit du détecteur. C'est pas impossible. Voir du nouveau perso, je sais pas. Mais par contre, quand c'est du SSJ, ça garantit rien. Mais ça garantit rien, mais ça donne un dispo. Et le deuxième dispo qui tombe enfin. Let's go, dispo 3 étoiles. Il me fallait au moins ça pour avoir une cap Z un peu plus décente sur le personnage. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Bien sûr, le mieux, ça serait de le faire passer 6 étoiles. Je m'en fais pas trop. Il va y avoir de quoi le faire passer 6 étoiles, je pense. Ne vous inquiétez pas, on va mettre encore beaucoup de cristaux sur le portail. On va se faire plaisir avec ce genre de grosse célébration. Ça, c'est la moindre des choses. Et ça, par contre, c'est pas mal, Kinto. Puisque du coup, ça garantit un perso featuré au moins. Donc déjà, on n'aura pas du hors détecteur. Putain, malheureusement, toujours pas de Badak. Et est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir Végéto avant la fin des invocations ici en vidéo? Je pense pas. En même temps, bon, voilà, on a déjà tellement chaté. Par contre, pour l'instant, on n'a pas eu de LF sur les tickets. Alors après, on peut très bien ne pas avoir de LF en 5 tickets. Hein. C'est complètement possible. Encore un hit. Aïe. Fais-moi tomber du Ultimate Gohan plutôt à choisir. Ultimate Gohan, du Goku, du Vegeta Blue. D'ailleurs, Vegeta Blue, il m'en manque un seul pour le passer 9 étoiles. Donc, par exemple, ça pourrait être bien. Ou un petit Beerus Zenkai, un petit Goku Namek Zenkai, un petit Goku Migate. Pourquoi pas Goku Migate, ça serait vraiment, vraiment stylé pour le dernier ticket, les gars, puisque ça va être ce dernier ticket qui va se lancer ici. Bon, les animations, les invocations, c'est un peu particulier quand même avec les connexions comme ça. Hein. Ça a fait beaucoup, forcément, on meuble beaucoup. Kinto ! Allez, Badak ! Cette fois-ci, Badak, tu viens. Et non, malheureusement, c'est la même animation ici, donc peut-être encore un hit. Oh, ah, je l'avais zappé celle-ci. C'est vrai qu'on n'a pas eu le Genki-Dama non plus. On n'a pas eu le Genki-Dama, le Kamehameha téléportation. Ça, lui, il est rare, hein, le Kamehameha téléportation. Très, 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 très rare pour un perso rare. Pour un Jiren, donc oui, un perso rare, Jiren qui avance vers sa 8ème étoile. Eh bien, écoutez, les gars, cette session d'invocation arrive à son terme. On a eu beaucoup, beaucoup de chance en 20 000 cristaux. Même pas d'ailleurs, même pas 20 000 finalement, 19 000 cristaux. On a eu énormément, énormément de chance. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a eu tous les persos, dont le LF. Bon, vous avez vu par contre le LF, hein, c'est gros coup de chance, hein, parce que c'est pas forcément évident d'avoir les LF. J'en ai eu pas tant que ça finalement. Enfin, c'est bien, hein, deux, mais c'est pas tant que ça non plus. Mais surtout, le plus important... Mission accomplie, le Goku Migate est là les gars. Merci encore une fois à vous tous pour la force que vous donnez depuis longtemps maintenant sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu les gars pour cette vidéo si celle-ci vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt. Portez bien les frérots, bye tout le monde. Ciao ciao.